Spécialiste du 15 km et vice-champion du monde à Falun en 2015, Maurice Magnifica dit au revoir à sa longue carrière en équipe de France. Depuis ses débuts aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, il a connu les hauts et les bas des grandes compétitions, accumulant 20 ans d'expérience au sein de l'équipe nationale. Ça fait 20 ans d'équipe de France, c'est plus de la moitié de ma vie. J'ai 37 ans, je vais avoir bientôt 38. Euh, donc euh, forcément, euh, ça fait forcément bizarre. Euh, de devoir euh, tourner la page. Je suis vraiment heureux d'avoir connu finalement bah, et d'avoir contribué à, à cette équipe et arrivé à aujourd'hui ce qu'est euh, cette équipe de France qui est une équipe danse forte. Cette équipe de France, il l'a portée jusqu'au podium du relais des Jeux Olympiques de Sochi en 2014, le début d'une longue série de médailles de bronze aux plus grandes compétitions mondiales. Son objectif aujourd'hui, trouver une équipe privée et commencer les épreuves de très longue distance. J'ai encore un physique qui tient la route donc euh, j'ai envie de continuer dans cette voie professionnelle, quand même continuer le ski. J'ai envie d'explorer de, un peu ces, ces grandes courses. Et en tout cas voilà, on va... C'est vraiment une, une grande inconnue. Et pour ces nouveaux objectifs, le domaine de Gève dans le Vercors reste un bon lieu pour s'entraîner. Donc là ouais je suis sur Gève euh, pour préparer le, le 50 km d'Oslo dans un premier temps. J'alterne pas mal, euh, je fais pas mal de poussées quand même, de poussées simultanées. Euh, je fais quand même du classique parce que le 50 d'Oslo, il y a quand même presque 2000 mètres de dénivelé euh, euh, au total. On espère que d'ici la, la fin de saison, les conditions euh, resteront bonnes sur Gève. La saison s'enchaînera avec d'importantes compétitions, dont le mythique Birke-Benerenet en Norvège, suivi des championnats de France en Savoie.